En France, toujours, le théologien suisse Tariq Ramadan a été inculpé pour viol et incarcéré hier soir à Paris. Il est visé par deux plaintes pour des faits qui auraient été commis en France en 2009 et en 2012. Tariq Ramadan dénonce, je cite, une campagne de calomnie. Je vous propose d'écouter l'un des avocats de l'une des plaignantes dans cette affaire. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'il est présumé innocent, mais que cette présomption d'innocence ne s'efface pas devant un dossier. Si on est mis en cause, c'est parce qu'il y a un dossier. On nous avait dit, il y a 3 mois et demi, que tout ça était des affabulations, que Enda Hari avait un livre à vendre, et puis il y a eu une deuxième plaignante, la fameuse Christelle que je représente, et puis il y a eu une enquête. On en est à 600 pages d'enquête.